Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Je te fais un mini coucou éclair par ici pour aujourd'hui. Ça a été une journée un peu hors des clous aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné comme je l'avais prévu. Et du coup, j'ai passé mon après-midi à me battre avec Canva, puis Zoom, puis mon monteur audio, puis mon monteur vidéo. Du coup, ça a été plus long que prévu, finalement, de créer ce challenge. Mais je vais avoir besoin de demain encore pour finir correctement. Il reste pas grand-chose à faire, en fait, mais j'ai enregistré 3 fois avec Canva. Enfin, j'enregistre que ma voix par-dessus les slides. Et genre, ça fonctionnait bien, hein? Jusqu'à ce que j'essaye d'enregistrer le fichier sur mon ordinateur, de télécharger le fichier. Il voulait pas aller jusqu'au bout du téléchargement. Du coup, j'ai recommencé 3 fois à l'enregistrer. Puis 3 fois à essayer de le télécharger, ça fonctionnait pas. Du coup, je suis passée par Zoom, parce que j'ai la possibilité d'enregistrer avec Zoom. Et du coup, ça a fonctionné, sauf que Zoom, ça prend un peu plus de temps. Enfin, les réglages sont pas les mêmes, etc. Et du coup, ça m'a pris toute l'après-midi. Et je n'ai pas créé mon contenu que j'avais prévu de créer cet après-midi. Donc, si tout va bien demain, ce sera une journée normale. Mais pour ça, il va falloir aller se coucher maintenant, puisqu'il est quasiment 23h ou 23h passées. Ah non, il est presque 23h. Donc, je pense que mon petit cerveau a besoin de repos et de remettre un peu du jus dans le système pour que demain ça fonctionne parfaitement dans un temps record. Bon, j'espère que t'as fait des trucs qui t'ont mis en joie aujourd'hui. En tout cas, j'étais trop contente des petits retours que j'ai eu aussi entre hier et aujourd'hui par rapport au challenge. J'ai même des personnes qui m'ont dit: ah, trop bien, je vais m'inscrire la prochaine fois que ça ouvre, ou j'ai loupé la première inscription, c'est quand que ça recommence, etc. Et du coup, je suis contente, ça me remplit de joie d'avoir ces petits commentaires et de me dire: tiens, c'est cool, c'est que ça marche. Mais oui, comme je l'avais dit hier, en fait, je réouvrirai pas tant que le question-réponse ne sera pas passé, puisque en fait, j'aimerais faire en sorte que ce soit un challenge evergreen et que du coup il roule tout seul. Pour ça, il va falloir que je change les mails qui vont être envoyés un petit peu, mais en fait c'est de l'organisation et du coup ce ne sera pas prêt avant la semaine prochaine. Donc voilà, mais je te tiendrai au courant pour te dire quand est-ce que ça réouvre et tu pourras t'inscrire à n'importe quel moment. C'est tout pour ce soir. Je suis quand même super contente de moi et d'avoir créé ce truc-là. C'est bien parce que ça me met un coup de pied aux fesses pour avancer sur le programme pour améliorer ce relation. Et ça me donne une estimation du temps que je dois passer pour créer mes vidéos. Non, ça marchera mieux la prochaine fois parce que je serai préparée vu comme j'ai fait le challenge avant. Et ça va être chouette, ça va être trop trop chouette. Je me rends compte que mon piercing n'était pas du tout droit. Oh mon dieu. Toute une vidéo avec pas le bon piercing droit. Mon dieu. Oh. Oh, ça fait. Autant c'est pas mon photobombe de d'habitude, autant c'est pas mal comme photobombe. Mon photobombe de d'habitude, c'est ça. Voilà. Bref, tu peux me screenshot. Ouais, je bave. Tu peux me screenshot parce que de toute façon, j'aime mon corps tel qu'il est, même quand je fais cette face. Avec un triple menton. Ou celle-là. J'ai pas besoin de filtre pour faire une tête débile. D'ailleurs, les filtres que j'utilise, c'est que des filtres qui m'embellissent magnifiquement. Avec des yeux qui sortent de ma tête. Ou j'avais trouvé un filtre aussi qui me faisait une tête de gobelin, comme dans Harry Potter. C'était vachement beau. C'est très rigolo. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait marrer. Bref, reste comme tu es. Tu es magnifique. Et je t'aime du plus profond de mon cœur. Plein d'amour inconditionnel vers toi. Plein de good vibes vers toi. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!